bien, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est peut-être un petit peu décalé par rapport à ce dont vous entendez parler d'habitude ici, puisque je vais vous parler d'activités d'informatique sans ordinateur pour l'école et le collège. Donc, d'abord, je vais vous expliquer de quoi je parle, pourquoi je parle d'informatique sans ordinateur, quel est l'objectif de ces choses-là. Et ensuite, j'ai apporté du matériel pour vous montrer quelques activités. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu qui on est, pourquoi on fait ça, etc. Donc, allons-y. Alors, de quoi parle-t-on ? Informatique sans ordinateur, on dit aussi informatique débranchée. Le mot-clé en anglais, c'est Unplugged Computer Science. Oui, c'est une drôle d'idée. On fait un petit peu exprès de mettre des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble. Informatique et sans ordinateur, ça fait toujours réagir quand on arrive en parlant de ça. L'idée, c'est d'enseigner des notions d'informatique, de sciences informatiques, sans recourir à un ordinateur, et de préférence de façon ludique. Et l'objectif de ça, c'est de mettre l'accent sur les concepts scientifiques sous-jacents, et sans se laisser, alors selon les cas, c'est éblouir ou rebuter par la technologie, sans rester coincé sur l'idée de « mon ordinateur marche jamais », c'est l'aspect rebuté, ni rester coincé sur « ah, j'adore bricoler, j'ai les doigts sur mon clavier », ça c'est l'aspect éblouir. Donc voilà, informatique débranchée. Alors en fait, c'est une vieille histoire. Les premiers qui ont développé cette idée, c'était des Néo-Zélandais, une équipe de gens autour d'un universitaire qui s'appelle Tim Bell, et ça remonte à 25 ans maintenant, à l'université de Canterbury. Donc ils ont commencé à imaginer des activités. Ensuite, cette façon de faire a acquis une visibilité croissante parce que, alors je vous ai deux points ici. D'abord, les associations professionnelles américaines ont proposé ça de mettre des choses comme ça dans les programmes scolaires des États-Unis. Et puis, ils ont reçu un sponsoring de Google en 2006, à partir de 2006. Et du coup, si ça vous intéresse, il y a un super site qui s'appelle Computer Science Unplugged, où vous pouvez trouver des tas de choses, dans des tas de langues. Voilà. Alors en France, il y a un petit noyau de gens qui travaillent, qui proposent des choses comme ça, qui imaginent des choses comme ça. Alors on peut trouver des exemples dans ces trois choses que j'ai mis là. Pixiz, c'est un site de diffusion en fait de la culture informatique, et dedans vous avez un sous-onglet informatique sans ordinateur. Classcode, c'est un site qui est destiné, enfin c'est une initiative qui est destinée à la formation des enseignants en fait. Et puis 1-2-3 codé, ça c'est plus destiné aux enfants. Alors si vous cherchez des mots-clés, je continue dans mon... Si vous cherchez des noms de gens en France qui travaillent là-dessus, ben, vous avez par exemple ces deux personnes. Martin Quinson à Rennes et Marie Duflo-Crémer à Nancy. Et puis vous avez quelques autres personnes, un groupe d'enseignants et d'universitaires à Grenoble et un autre groupe à Clermont-Ferrand, dont je fais partie, Pascal aussi, et d'autres... Alors, évidemment, quand on parle d'enseigner des concepts d'informatique sans utiliser un ordinateur, on ne dit pas qu'il faut faire que ça. Il faut que l'informatique marche sur ses deux jambes, évidemment. Donc c'est ce que je veux dire quand j'écris complémentarité des approches branchées et débranchées. Et puis,
Et puis les objectifs de ces activités-là, eh ben, c'est justement prendre du recul par rapport à la machine, ce que je disais tout à l'heure, et surtout pas pallier au manque d'équipement dans les établissements, qui est réel, ça dépend des établissements, mais qui est souvent réel. Et c'est évidemment pas non plus décourager l'usage de l'ordinateur par les enfants. C'est très bien que ça leur plaise. Mais vraiment, l'idée générale, c'est je prends du recul, je réfléchis à ce qui se passe. Tout ça, c'est basé sur des idées didactiques assez anciennes qui disent que les enfants apprennent bien lorsqu'ils peuvent manipuler des objets tangibles et puis expérimenter vraiment des choses concrètement. Et puis aussi, ce qu'on aime bien, c'est mettre les enfants en situation de recherche, c'est-à-dire leur poser des énigmes. Vous allez voir tout à l'heure des tours de magie où leur objectif à eux, c'est de découvrir comment marche le tour de magie. Et puis, voilà, les jeux aussi. Alors, toutes ces activités, elles ne sont pas forcément reliées à la programmation. Elles ont vocation de couvrir à peu près tous les champs de la science informatique, au moins pour ceux pour lesquels on est arrivé à imaginer quelque chose. L'idée, c'est qu'elles favorisent des approches coopératives et puis qu'elles ne sont pas ennuyeuses, si possible. Et aussi, on fait très attention toujours à proposer des activités sous licence Creative Commons, neutres par rapport au genre et robustes à l'erreur, puisque notre objectif, c'est que des enseignants puissent s'en emparer. Ou des parents, qui sait. Alors, je vais donc vous présenter quelques activités et je vais commencer par deux tours de magie. Donc, en voici un. Enfin, là, c'est la récapitulation du tour de magie. En réalité, il est là. Il y a des cartes avec des nombres. Donc, c'est ces fameuses cartes que j'ai mises au tableau. Et donc, le tour de magie, c'est que le magicien va demander à quelqu'un de choisir un nombre entre 0 et 31. Puis ensuite, il va passer les cartes en disant « Est-ce que ton nombre est sur cette carte ? Oui ou non ? Est-ce que ton nombre est sur cette carte ? Oui ou non ?» etc. Et à la fin, il va dire « Eh bien, ton nombre, c'était… » et retrouver le nombre. Et donc, l'idée, c'est d'éveiller la curiosité des participants et qui se demandent… et de leur demander comment il fait le magicien. Alors, quand on fait ça, quand on est un professeur devant une classe, si on fait le tour de magie plusieurs fois, au bout d'un petit moment, les enfants finissent par s'apercevoir que, enfin, par se douter qu'il y a un calcul quelque part. Donc, ils cherchent quel est le calcul qui peut bien être fait. Alors, quand je dis les enfants, je parle d'enfants de autour de 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Fin du primaire, début du collège. Par exemple, si on parle du nombre 12, le nombre 12, il va être sur quelle carte ? Et bien, on va le retrouver sur cette carte-là, et sur cette carte-là, et sur aucune des autres. Et donc, les enfants vont vite s'apercevoir que, en fait, le magicien retrouve le nombre en faisant la somme des deux nombres en haut, à gauche, là. Et bien sûr, vous voyez où je veux en venir. L'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on leur fait découvrir ce que c'est que la représentation binaire des nombres, en fait. Tout simplement, on leur fait découvrir comment sont fabriquées les cartes. Sur cette carte-là, j'ai mis tous les nombres dont le bit des unités est 1. Celui-là, c'est tous les nombres dont le bit des deux n est 1, etc. Donc voilà, un tour de magie. En général, les enfants sont très fiers d'avoir compris. Ils réclament des cartes, des photocopies des cartes pour les emmener chez eux, pour faire le tour à leurs parents. Deuxième tour de magie, sur ce schéma, un des carrés n'est pas de la bonne couleur. Alors, c'est pas comme ça qu'on le présenterait à des enfants, mais enfin, je vous pose la question. Sur ce carré, sur ce schéma, un des carrés n'est pas de la bonne couleur.
Alors, je vous aide. Le concept de sous-jacent à cette activité, c'est une histoire de code correcteur. Deuxième ligne, je suis d'accord. Et le plus à droite, non. En tout cas, tu n'utilises pas la bonne règle. Pourquoi la deuxième ligne? Pourquoi sur la deuxième ligne? La première, on a deux bits verts qui fait un nombre pair et donc du coup on a carré deux. La deuxième ligne, on a trois verts, on va avoir un vert. Sur cette ligne-là, on a deux verts, trois verts, six verts, cinq. Quatre verts, zéro vert, non, six. Ah non, parce que si le dernier, c'est l'indicateur de... Ah, mais il faut le compter. Il faut le compter. Eh ben oui, on le compte, sinon ça ne marche pas. Oui, bien sûr, c'est un code de double parité, en fait. Hein. C'est un code de double parité. Normalement, si tout va bien, quand le carré n'est pas perturbé, c'est celui-là. Quand le carré n'est pas perturbé, sur chaque ligne et sur chaque colonne, vous avez un nombre de carrés verts pairs. Ou bleu. Et quand je perturbe, quand j'ai cette perturbation, dans cette ligne et dans cette colonne, vous avez un nombre de carrés verts qui est impair. Donc cette ligne et cette colonne ne sont pas comme les autres, et à l'intersection, il se passe un truc pas normal. Alors quand on raconte ça à des enfants, bien sûr on ne fait pas comme ça, on commence par demander à quelqu'un de dessiner un carré de 5 par 5. Ensuite, il y a un comparse qui se présente et qui dit « Oui, mais ton truc, il n'est pas assez compliqué. Moi, je vais en rajouter encore. » Et là, il ajoute une ligne et une colonne. Je pars comme ça et j'ajoute une ligne et une colonne de façon à rendre pair, justement, le nombre de carrés verts, disons, sur chaque ligne et sur chaque colonne. Et ensuite, on demande à quelqu'un de perturber le schéma. Et ensuite, le magicien arrive et dit, voilà, c'était là que vous aviez perturbé le schéma. Et encore une fois, bon, ben, voilà, l'idée c'est comment ça marche. Il y a tout un scénario pour que les enfants puissent découvrir eux-mêmes qu'est-ce qui s'est passé. Et que l'ajout de cette ligne et de cette colonne fait qu'on peut retrouver. Donc voilà, ça se présente. Tout à l'heure j'avais mes cartes, mais là aussi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des grands carrés, alors ils ne sont pas verts et bleus, ils sont mauvais orange. Des grands carrés à mettre au tableau, faire tenir au tableau avec des aimants. Et même des petits carrés. Que les enfants puissent expérimenter, justement, on vous a dit qu'on essayait de faire chercher, pour qu'ils puissent expérimenter leurs propres idées sur comment on fait tout ça. Donc ça, c'était deux activités qui étaient basées, qui étaient sur la représentation de l'information, on va dire. Après, il faut que je vous parle du crépier. Le crépier... Le crêpier, c'est quelqu'un, donc c'est un crêpier qui a fait une pile de crêpes et elles sont pas bien rangées. Elles sont pas bien rangées. Et lui, il voudrait les remettre dans le bon ordre. C'est un crêpier et il veut pas se salir les doigts, il veut pas salir ses crêpes. La seule chose qu'il a le droit de faire, c'est prendre sa spatule, la glisser sous une certaine crêpe et retourner l'ensemble. Et donc voilà, donc ici, au départ, vous avez une pile de crêpes comme ça, vous voulez fabriquer une pile de crêpes comme ça, et la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est une opération comme ça. Et donc ça, c'est un exercice pour découvrir l'algorithmique. L'idée, c'est ben, comment vous allez faire
quel algorithme vous pouvez proposer pour faire ce genre de choses. CM1, CM2, 6e, chose comme ça. C'est une activité qui nécessite beaucoup de manipulation. Est-ce que quelqu'un a des idées sur ce... Quelqu'un connaît ce tri qui s'appelle... le tri crêpe, oui. Mais en termes techniques, c'est le tri par retournement de préfixe, en fait. Donc, en fait, l'idée, elle est toute simple, en fait. C'est, je repère la plus grande crêpe, celle-ci. Je mets ma spatule dessous. Je retourne, elle vient en haut. Et ensuite, je retourne l'ensemble, elle vient en bas. Après, je ne m'occupe pas plus de ma plus grande crêpe et je recommence avec l'autre. D'accord ? Donc c'est... On peut compliquer l'histoire, si vous êtes très fort, en disant que non seulement, vous avez vu, mes crêpes, elles ont un côté brûlé et un côté pas brûlé. On peut compliquer l'histoire en disant que non seulement on veut ranger les crêpes, mais en plus, on veut que la face brûlée soit cachée. Alors... L'intérêt de faire ça, c'est que ça permet d'introduire la notion de boucle, et je recommence. Ça permet d'introduire également, quand on fait la variante ici, là, pour cacher la face brûlée, de parler de si, de condition. Et... Voilà. En général, l'idée, c'est qu'en faisant ces manipulations, il y a tout un scénario qui permet aux enfants de rédiger, d'arriver à énoncer eux-mêmes un algorithme et de découvrir ces histoires de boucles et ces histoires. Bon, on fait aussi de la programmation avec des gobelets. Comme cela. Tout à l'heure, j'ai failli me les faire piquer, ils ont voulu les mettre là-bas. Pas du tout. C'est du matériel pédagogique. Donc, avec des gobelets, on vous donne au début une pile de gobelets, comme celle-ci. Ici, c'est un peu flou, mais c'est une pile de 3 gobelets. Et votre objectif, c'est d'écrire un programme qui va générer 7 pyramides de gobelets. Donc vous avez, je vais mettre là, vous avez ça, là. Vous avez ça, et il faut arriver à ça. Alors évidemment, vous ne savez rien si, ça n'a aucun sens si je ne vous dis pas quel est le vocabulaire de votre langage de programmation. Le vocabulaire, il dit, je peux prendre un gobelet, je peux déplacer mon gobelet, je peux poser un gobelet, puis éventuellement, je peux aussi retourner mon gobelet. Donc voilà, en gros, mon vocabulaire, c'est ça. Je prends, je pose, je vais à droite ou à gauche, et je retourne, je fais un tour comme ça. Et donc, voilà mon programme. Voilà mon programme. Alors, je ne sais pas si j'ai mis les trucs dans le bon sens par rapport au schéma. Je prends, l'idée c'est juste, je prends un gobelet, je me déplace pour poser mon gobelet, puis je pose mon gobelet, puis je reviens. Je prends un deuxième gobelet, je me déplace mais cette fois-ci plus loin. Je reviens, je prends mon dernier gobelet et je me déplace encore un peu et je pose mon gobelet. Donc ça, c'est la version primitive. Et évidemment, le défi, la pochette des gobelets est là, le défi, c'est qu'on va proposer des tas de sortes de pyramides à construire. Donc, par exemple, voilà. Il y en a des moins compliqués. Ça, c'était le schéma où c'était compliqué. Peu importe.
Si vous aimez la programmation comme ça, vous pouvez trouver ici quelque chose d'un petit peu similaire qui s'appelle CargoBot. Ça se trouve sur Internet, donc du coup c'est interactif. Vous pouvez y jouer. Alors la différence entre CargoBot et ce que je vous ai présenté, c'est que là, il s'agit d'un langage de programmation fonctionnel. Il s'agit d'un langage de programmation fonctionnel. Donc voilà une version de CargoBot avec des gobelets. Ici, vous avez les endroits où vous allez poser vos gobelets. Ici, vous allez écrire vos programmes avec un langage de flèche comme celui qu'on avait. Mais vos programmes ont une longueur limitée. Et vous avez droit à appeler des sous-programmes. Donc quelque part, vous pouvez insérer F0 peut appeler F0. F0 peut appeler F1. Quand j'arrive à F1, j'exécute F1, puis quand j'ai fini, je reviens à la même case et je continue. Et tout à l'heure, ma langue a fourché, mais c'est pourtant vrai. F0 peut appeler F0, on peut même écrire des choses récursives. Donc ça, c'est nos collègues de Grenoble qui se sont beaucoup amusés à fabriquer CargoBot. Oups. Ah, ça, c'est les vieux. C'est les vieux slides. Bon, bah là, j'avais mis une belle photo, mais on l'a pas. Donc, c'était le menu du dîner. C'est une activité sur les bases de données. Sur les bases de données. L'idée, c'est que vous avez des amis. Pour chacun de vos amis, vous connaissez les plats qu'ils aiment et que vous savez cuisiner. Et vous voulez inviter 4 ou 5 amis et vous voulez savoir quel plat vous pouvez cuisiner pour ces amis. Et donc, on réalise ça simplement avec des cartes perforées. Chaque ami correspond à une fiche qui a la liste des plats pour chaque ami. Et c'est bête, je les ai pas. Et je fais un trou pour chaque plat avec une perforeuse, un trou rond. Et puis, pour les plats que cet ami aime, j'ouvre le trou vers la droite. Et après, quand je veux inviter, disons, 3 amis, je prends leurs 3 fiches et je vois qu'est-ce qu'ils ont en commun, simplement en regardant s'il y a un plat pour lequel ils ont tous une encoche. Okay ? Donc ça, c'est le début. Et après, je peux aller plus loin, je peux faire des tas de choses comme des « et des où » et des choses qu'on fait dans ces cas-là. Je vais terminer en vous parlant un petit peu de qui sommes-nous. Alors, j'ai commencé par mettre un slide qui s'appelle « Un sujet qui fâche ». Ce sujet qui fâche beaucoup de gens du monde de l'informatique, que ce soit des professionnels, des universitaires, toutes sortes de gens. Ce sujet, c'est l'enseignement de l'informatique en France au niveau primaire et secondaire. Parce que je ne sais pas si vous avez des enfants, ou si vous-même avez été enfant relativement récemment. Mais vous avez peut-être constaté que c'est quand même assez pauvre, l'enseignement de l'informatique dans le primaire et dans le secondaire, en France. Voilà. C'est relativement pauvre. Il ne se passe pas grand-chose. Parfois, dans le meilleur des cas, on apprend à utiliser un ordinateur, mais l'enseignement de la science informatique, c'est autre chose. Et pourtant, puisqu'on enseigne la science physique, on enseigne la chimie, on enseigne les mathématiques, enfin, on enseigne des sciences de toutes sortes, la science informatique, c'est pas à vous que je vais apprendre, c'est quand même assez fondamental dans notre univers, ça serait quand même bien que ça soit enseigné à l'école. Eh bien, c'est dur. Alors, bon, il y a quelques légères évolutions positives qui ont commencé à peu près en 2008, un petit peu. En 2008, c'est des choses que j'ai pas mises, mais peut-être que les plus jeunes d'entre vous ont pratiqué la spécialité ISN en terminale S. Maintenant, ça existe. ISN, ça veut dire informatique et sciences du numérique. Donc, en plus des anciennes spécialités, physique, maths, SI, tout ça, il y a une spécialité ISN. Ceux qui sont au lycée depuis, qui viennent juste de sortir du lycée, ont peut-être pratiqué, c'est un truc qui s'appelle
l'enseignement d'exploration ICN, ce qui veut dire enseigne informatique et création numérique. Enfin, c'est plus orienté sur justement la création, les sujets de société, les sciences humaines, les choses comme ça. Mais on fait aussi un peu de programmation. Et puis, alors là, je parle de vos enfants, depuis 2016, dans les programmes de collège, vos enfants sont supposés faire de l'informatique, de la vraie, d'une part en mathématiques et d'autre part en technologie. Ils sont supposés apprendre à programmer avec Scratch. Et puis voir des tas d'autres choses aussi, des robots, des choses comme ça. Ceci dit, il reste d'énormes points noirs. D'abord, beaucoup de retard, parce que toutes ces choses-là, ça a commencé en 2008 et c'est encore vraiment pas grand-chose. Donc, en 2010, peut-être, l'Académie des sciences a produit un document qui s'appelait « Enseignement de l'informatique, il est urgent de ne plus attendre ». Et bon, l'Académie des sciences, c'est pas des rigolos, quoi. C'est vraiment... Bon, voilà. Il y a un retard qui est vraiment énorme. Ceci dit, toutes ces choses, toutes ces évolutions-là se sont faites sans ouvrir un concours de recrutement d'enseignants d'informatique. Ça veut dire que, en fait, on demande à des enseignants d'autres disciplines, donc majoritairement de sciences, d'enseigner l'informatique. Bon, c'est pas complètement aberrant, encore faudrait-il que ces gens-là apprennent l'informatique. Mais ça, c'est beaucoup trop demandé, puisque par ailleurs, ces enseignants, comment dire, à Clermont, depuis 2008, on essaye de faire de la formation pour les enseignants. Il faut savoir que qu'il n'y a pratiquement pas d'argent pour faire ça. Le rectorat n'a pratiquement pas d'argent pour faire ça. Donc, par exemple, ces fameux profs de collège qui enseignent depuis l'année dernière, depuis la rentrée dernière, qui enseignent l'informatique aux élèves de collège, ils ont eu pour faire ça un jour et demi de formation. Donc nous, on est des militants dans notre groupe. On veut produire des ressources pour la classe, on veut former des enseignants, on veut faire des choses comme ça. Après, c'est du